Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur un tutoriel court et simple pour aborder avec vous la notion d'activation de la transcription d'une vidéo. Alors qu'est-ce que la transcription? C'est tout simplement la conversion textuelle de la partie vocale correspondante sur une vidéo, tout simplement la conversion des paroles en texte. Alors pour y accéder, dans un premier temps, choisissez la vidéo que vous souhaitez visualiser. Une fois dessus, sous le lecteur, tout en bas, cliquez sur les trois points alignés. Et dans le panneau, cliquez sur la fonctionnalité « Ouvrir l'onglet transcription ». Automatiquement, vous avez le transcripteur qui s'ouvre sur la droite. Ici, à ce niveau, donc, vous avez les paroles horodatées, donc on a le timecode en face de chaque parole. Vous pouvez bien sûr désactiver l'horodatage en cliquant sur les trois points superposés de cette manière ou tout simplement en le réactivant. Voilà, à partir de là, il faut considérer que par défaut, la version de sous-titres fournie, c'est celle générée par le système de reconnaissance vocale YouTube. C'est précisé, français généré automatiquement. Il faut savoir que beaucoup d'utilisateurs font du sous-titrage, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Donc pour vérifier si d'autres sous-titres sont disponibles, cliquez tout simplement sur la flèche et développez le panneau. Dans mon cas, il y a français puisque j'ai généré un fichier de sous-titrage, donc fait par mes soins. À partir de là, sur la vidéo, si vous souhaitez accéder directement ou très rapidement à un instant bien précis, par exemple à la minute 1.08, cliquez tout simplement sur la timeline, le timecode, et automatiquement vous voyez que le curseur s'est déplacé exactement à 1.08. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur comment activer la transcription d'une vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.